Coucou les CP, donc on se retrouve avec ton fichier de mathématiques, c'est que tu as terminé ton fichier, page 84 et page 85, et on va donc passer à la correction. Donc avant de mettre les images dans l'ordre, eh bien on va vérifier l'heure à chaque fois. Alors la première image, on voit que la grande aiguille elle est sur le 12, la petite aiguille elle est sur le 7, il est donc 7h du soir, alors on peut dire 7h du soir en CP, mais après moi je préfère qu'on dise 19h. On fait 12 plus 7, comme c'est des heures du soir ou de l'après-midi. 12 plus 7, c'est égal à 19. Et on vérifie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est bien ça. Donc 19h. Après, si tu as écrit 7h, tu as le droit. Tu peux écrire ça. Mais c'est mieux 19h, comme ça on est sûr que c'est le soir. Alors, l'image en dessous, eh bien, la grande aiguille est sur le 12 encore, donc il y a 0 minute. La petite aiguille est sur le 2, il est donc 2h de l'après-midi. 2h de l'après-midi, on ne dit pas, je préfère qu'on ne dise pas 2h de l'après-midi, mais qu'on dise 14h, 12, 13, 14. Ça marche. Alors là, c'est le soir, elle est en train de dormir, il est 9h, c'est pas 9h du matin, sinon elle serait en train de se lever, là, il fait bien nuit noire. Donc c'est 9h du soir ou 21h. 21h, on vérifie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est bien ça. Alors, il y en a qui ont été plus vite, hein. Ils ont fait 12 plus 9 égale 21. 21h, c'est bien ça. Sur cette image-là, eh bien, il est 3h de l'après-midi, c'est-à-dire il est 15h. 12, 13, 14, 15h, la petite aiguille est sur le 3, la grande aiguille est sur le 12. Et enfin, la dernière image, eh bien, il est 8h du soir ou 20h. La petite aiguille est sur le 8, la grande aiguille est sur le 12. On vérifie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bien ça, 20h. Alors ensuite, ils ont demandé de remettre dans l'ordre les images. Alors là, il va falloir faire attention eh bien, aux heures surtout. Alors c'est laquelle la plus petite heure? Le début. T'as raison, c'est 14h. Et puis je t'ai demandé d'écrire une histoire en même temps, de raconter, de faire une phrase pour chaque image. Donc là, peut-être t'as peut-être écrit « La famille arrive chez les grands-parents », par exemple. Alors, pardon, en précisant l'heure. Excuse-moi, j'oublie à chaque fois. À 14h, la famille arrive chez les grands-parents. C'est un exemple, je pense que t'as peut-être écrit une autre phrase. Ensuite, c'était celle-ci, la deuxième image. À 15h, les enfants jouent à un jeu de société. Ensuite, quand on avance dans les heures, c'est après 15h. Ah, on a ici 19h. À 19h, toute la famille est réunie pour manger, ou toute la famille mange, ou tout le monde mange, ou ils mangent. Après 19h, qui vient en premier? 21h? Ah, c'est 20h en premier. Ah, à 20h, la famille repart chez elle. Par exemple. Et enfin, 21h, la dernière image, à 21h, eh bien, la petite fille dort. Allez, on regarde la page suivante. Eh bien, même chose, il fallait mettre l'heure. Ah mince, j'ai oublié de faire ce jeu-là, moi. Allez, ben c'est parti, je vais vite le faire avec toi. Donc, pas facile. Alors, est-ce qu'il est 10h ou 22h? Ah bah oui, à 22h, normalement, on est au lit. Hein. Il est bien 10h. Je te remercie. Est-ce qu'il est 12h ou minuit? Ah, merci, il est 12h. Allez, tu m'aides bien. Hein. 12h. D'après toi, il est 4h du matin ou il est 16h? Super, il est 16h. C'est bien 4h de l'après-midi ou 16h. Allez, la suivante. Est-ce qu'il est 9h du matin ou 21h le soir? Ah bah oui, 9h du matin. 9h, excuse-moi, j'ai du mal à écrire. Voilà. Et là, d'après toi, quelle heure est-il? Alors, je crois avoir un petit déjeuner. Il est 7h du matin ou il est 19h? Est-ce que c'est le petit déjeuner ou le dîner? Ah, je crois que tu as raison. C'est le petit déjeuner, il doit être 7h du matin. Par contre, si tu as mis 19h, je te compte bon aussi. Et là, quelle heure est-il en train de faire ses leçons à la maison? Il est 5h du matin? Bah non, il n'est pas 5h du matin, là, on serait en train de dormir. Non, bien sûr, il est 17h. Tu as raison.
Allez, on va essayer de les remettre dans l'ordre maintenant. Alors, la première heure, l'heure la plus tôt de la journée, c'est... Oui, c'est celle-ci. C'est 7 heures, c'est le petit déjeuner. Première image. Ensuite, 7 heures, on avance. 9 heures. 9 heures, on rentre en classe. Deuxième image. On continue. 9 heures, 9 heures. À 10 heures, on est dans la classe. On travaille. Ah, c'est un peu comme pour nous, hein. Pas tout à fait, mais presque. 10 heures, 12 heures, ils sont à la cantine. Ils sont à la cantine, c'est l'image... mais n'importe quoi, moi j'ai écrit. Eh, t'aurais pu me le dire là, tu ne l'avais pas vu? Ah si, tu me l'as dit? Bah excuse-moi, j'avais pas entendu. Oui, c'est image numéro 3. Ensuite, donc 12 heures, image numéro 4. C'est bien ça. Image numéro 5, ça peut être laquelle? Oui, t'as raison, c'est celle-là, 16 heures, quand il quitte l'école. Et enfin, l'image numéro 6, oui, c'est bien là, c'est le soir, il fait ses devoirs. Très bien, bah, je te remercie là pour toute ton aide, parce que bah, je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié de le faire avant, moi. Et heureusement que tu étais présent pour m'aider. Allez. Eh bien, tu peux, si tu veux, peut-être me retrouver, pour jouer avec les océans. À tout à l'heure.